Bon, bien, bon matin tout le monde. Il y en a qui vont dire, mais ça, moi, j'ai vu ça, cette image-là. Parce qu'au mois de juin, quand je suis venu, on a fait un message là-dessus le matin et soir, mais on avait vu la moitié. Fait que je dis, on va voir l'autre moitié, Dieu voulant, aujourd'hui, matin et soir, parce que c'est un sujet... j'avais à cœur de revenir sur le sujet de l'enlèvement, parce que je pense que, me semble, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça nous donne le goût encore plus de lever les feux, comme on dit. Nous autres, on t'avait de lever les feux de la maison, et que ça, c'est un parallèle intéressant. Les boîtes sont prêtes, on est prêts à partir. Ben, on va rester sur la terre pareil. On les... la boîte est prête. La boîte est prête. On a ramassé les stalagmites, on a tout ramassé. Donc, ce sont ces faces ici. Et allons-y. Donc, ce matin, es-tu prêt pour le décollage? Bien, c'est une double question, parce que est-ce qu'on est prêt comme croyant à partir? Puis, on se connaît pas mal assez possiblement tous pour savoir qu'on est tous des croyants ce matin. Mais évidemment, la question se pose pour un non-croyant. Es-tu prêt à partir? Parce qu'un jour, il y aura le décollage. Je voudrais vous lire peut-être, je ne sais pas si vous connaissez A.W. Tozer. C'est un livre de méditation que j'ai acheté l'année passée, puis je vous le suggère. Tozer n'est pas toujours évident, là. Peut-être, je dirais, trois fois sur quatre, là, c'est clair, mais des fois, c'est pas toujours évident, mais quand même, ça vaut la peine de l'acheter. Puis justement, quand je suis venu, moi, je suis venu, je pense, le 11 juin faire le message, puis quelques jours plus tard, le 30 juin... je tombe sur la méditation, ça vaut la peine que je vous le lise. Ça s'appelait « Désirons-nous ardemment que le Seigneur revienne ». Et là, il dit ceci, il dit « L'élément joyeux et personnel de ce qu'on appelle la bienheureuse espérance, à savoir le retour de Christ sur terre, semble totalement faire défaut aujourd'hui. » Là, on parle d'un auteur de quelques années déjà, là. Mais déjà, même dans le milieu chrétien, dans ce temps-là, le retour de Christ sur terre, ça semble totalement faire défaut aujourd'hui. Ici, le désir ardent de la parousie ou de l'apparition s'est envolé. Il doit y avoir des raisons, je pense les connaître. Il y a tout simplement la théologie fondamentaliste populaire qui insiste sur l'utilité de la croix plutôt que sur la beauté de celui qui est mort sur elle. La relation que l'homme sauvé vit avec Christ est davantage contractuelle que personnelle. On a tellement insisté sur l'œuvre de Christ qu'elle a fini par éclipser sa personne. On cultive l'idée que ce que Christ a fait pour moi est plus important que ce qu'il est pour moi. La rédemption est perçue comme une transaction commerciale que nous acceptons et l'affaire est vidée de tout contenu émotionnel. Or, nous devons aimer très ardemment quelqu'un pour rester éveillé et guetter sa venue. C'est ce qui explique peut-être le manque de puissance, de l'espérance du retour, même chez ceux qui y croient. L'histoire révèle que les temps où l'Église a souffert ont aussi été ceux où elle a regardé en haut. La tribulation a toujours dégrisé le peuple de Dieu. Il l'a encouragé à attendre le retour de son Seigneur et même à le désirer ardemment. Dieu veut nous sevrer de la terre d'une manière ou d'une autre, par des moyens faciles si possible, par des moyens drastiques si nécessaire. Nous sevrer de la terre, pour qu'on puisse avoir hâte qu'il revienne. Puis c'est un fait que si on s'attache davantage à la personne qu'à la théologie ou que ce que Dieu a fait ou ce que Christ a fait plutôt que ce qu'il est, c'est sûr que, tu sais, on attend une personne. On attend Jésus-Christ. Et donc, c'est important de revenir sur l'enlèvement, puis on va revoir évidemment quelques points qu'on avait vus en juin. L'enlèvement des rachetés, on rappelle que c'est l'événement dans lequel tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ vont soudainement être pris de la terre et amenés dans le ciel par lui. Emportés par la force, hein? quatre mots grecs différents pour parler de ce terme. Emporté par la force, réclamé pour soi-même avec impatience, arraché rapidement et secourir du danger de destruction. C'est tous les sens de tous les mots de l'enlèvement dans la parole de Dieu, mais c'est vraiment bon. Emporté par la force, réclamé pour soi-même avec impatience, arraché rapidement, secourir du danger de destruction. Et puis, on l'avait vu avec Enoch qui représentait un type de l'enlèvement, un type des rachetés. Enoch a été enlevé avant le déluge. De la même façon que l'Église va être enlevée avant les tribulations. Maintenant, il y a un paquet de débats dans le monde évangélique, puis je vous dirais que de plus en plus même, je suis tellement étonné quand je voyage justement avec les... Je ne suis pas un grand voyageur comme Gilles Despins et les autres, mais quand je voyage dans quelques assemblées au Québec, il y a vraiment toutes sortes de philosophies sur l'eschatologie. Là, puis il y en a même qui me partageaient dernièrement, qui croyaient plus ou moins à l'enlèvement. Mais moi, je pense que l'Écriture, selon moi, est très claire.
qu'on sera enlevé avant les tribulations. On avait vu les deux phases, parce que bon, le retour du Seigneur, c'est en deux phases. L'enlèvement d'Église, cette année de tribulation, puis l'avènement de l'Église avec... Donc, Christ vient dans les airs, on va repasser ça rapidement, on l'a vu au mois de juin. Là. Christ vient dans les airs dans le premier cas, Christ vient sur la terre dans le second. Christ vient pour ses saints dans le premier, Christ vient avec ses saints. Les croyants quittent la terre dans le premier cas, les non-croyants sont emportés dans le second, Matthieu 24. Christ réclame son épouse, Christ vient avec son épouse. Ça, quelle belle vérité, ça! Il va venir réclamer son épouse, puis on va revenir avec lui. C'est fantastique. Apprendre les noces de l'agneau. Christ rassemble les siens, les anges rassemblent les élus. Christ vient pour récompenser, Christ vient pour juger. L'enlèvement, on ne le voit pas dans l'Ancien Testament, mais c'est prédit souvent dans l'Ancien Testament. L'avènement est prédit souvent dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun signe pour l'enlèvement, c'est imminent. Donc, on peut, 11h-10, 11h-5, on peut lever. Tu sais. On peut lever dans deux secondes. Ça peut arriver n'importe quand. Wow, ça serait-tu fun, ça? Merveilleux. Je suis au rendinant, en plus. Non, mais... L'avènement annoncé par plusieurs signes. Temps de bénédiction, de consolation, hein, ça, c'est l'enlèvement. Temps de destruction et de jugement, l'avènement. L'avènement ne sera pas drôle pour le monde inconverti, là. Disons, quelle bonne nouvelle. T'sais. On est avec Christ, c'est notre époux. On va venir régner avec lui. Mais quelle mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ça implique des croyants seulement, mais ça implique Israël et les nations païennes pour l'avènement. Il va arriver en un moment, seuls les siens le verront, sera visible au monde pour l'avènement. La tribulation commence lorsqu'on lève en l'air, puis l'avènement, ça va déclencher le millénium. Christ vient comme l'étoile du matin, Christ vient dans le second cas comme le soleil de justice. Le Seigneur a communiqué la vérité au sujet de l'enlèvement à l'apôtre Paul comme une révélation spéciale. Paul a livré cette révélation spéciale au sujet de l'enlèvement comme une réponse sérieuse aux questions soulevées par les membres de l'Église de Thessalonique. L'enlèvement est un événement sans signe au préalable. Sans aucun signe, sans aucun avertissement, Christ va revenir pour enlever ses saints et les prendre au ciel. L'enlèvement est un événement surprise. Le dernier jour est caché afin que nous fassions attention à tous les jours. C'est Augustin qui disait ça. C'est bien ça. Le dernier jour est caché afin que nous fassions attention à tous les jours. Imagine, tu sais, ça, c'est l'incitation à la sanctification. Je sais que Jésus peut revenir n'importe quand. L'enlèvement est un événement soudain, en un clin d'œil. En moins d'une nanoseconde, le Seigneur va appeler à lui tous les croyants pour partager sa gloire. On n'aura pas le temps de... Ça va être spécial. Hein? L'enlèvement est un événement sélectif. Hein? C'est évidemment seulement les croyants. Et là, on est rendu là. L'enlèvement est un événement spectaculaire. Vous savez, quand on parle du retour de Christ, c'est sûr que aucune scène décrite dans la Bible est plus glorieuse, stupéfiante ou sensationnelle que la seconde venue de Christ. Mais c'est habituellement la seconde étape de sa venue à la fin de la tribulation qui attire les projecteurs. Tu sais, ce qui est spectaculaire quand on lit les Écritures, c'est vraiment lorsque Christ revient avec son Église. Ça, c'est spectaculaire. C'est la deuxième étape de sa seconde venue, dans le fond. Ça attire les projecteurs, puis c'est avec raison. Regardez, on va tourner dans Apocalypse 19, verset 11. Et ça, c'est vraiment un texte qui nous parle de cette deuxième étape de sa seconde venue. Apocalypse 19, 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice, et ses yeux sont, verset 12, sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur, et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche afin qu'il en frappe les nations, et lui les pètera avec une verge de fer, lui foule la cuve du vin de la fureur, de la colère de Dieu, le Tout-Puissant, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Hein, c'est pas le petit Jésus de la crèche, là. J'écoutais, tu sais, des fois je tombe sur la victoire de l'amour. Tu sais. J'écoute cinq pour voir toutes les folies, là, toutes les hérésies, des fois, puis
Là, dans ce temps-ci, c'est toujours un petit cadeau, le cadeau de la semaine ou du mois. Là, c'est un pendentif, puis c'est la Vierge Marie et le petit enfant. Tu vois comment le catholicisme met l'accent sur la Vierge Marie, le petit enfant. T'sais, c'est tellement blasphématoire, tu sais. Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'est un lieu blasphématoire au bout de ça. Tu sais, mais puis là, je suis en train de préparer un message sur Marie. Tu sais, Marie, c'est une pécheresse qui a eu la grâce de porter l'enfant, mais je veux dire, une pécheresse qui avait besoin d'un sauveur. T'sais. Mais on voit ici que lorsqu'on voit le roi des rois et seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, c'est pas. Oui, il a déjà été petit enfant. Mais tu sais, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, puis il va revenir comme ça un jour. Et ça va être spectaculaire. Quand on lit ça, là, les versets 11 à 16, c'est spectaculaire. Le retour de Christ, sa seconde venue est spectaculaire. Alors, c'est pas étonnant que lorsqu'on lit ça, bien, que les événements entourant l'enlèvement soient laissés dans l'ombre. Apocalypse 19, 11 à 16, l'enlèvement n'est pas là-dedans, c'est vraiment le retour. C'est sûr que préalablement, on aurait été enlevé. Non seulement l'étape finale de la seconde venue, c'est un spectacle glorieux, c'est un événement, puis là, de verset 11 à 16, ça va être un événement mondial. Là. Ça va avoir un impact sur chaque personne qui vit sa planète à ce moment-là, quand Jésus va revenir avec nous autres. Ça va être mondial. Tandis que l'enlèvement, on l'a vu dans les points précédents, au mois de juin, l'enlèvement, c'est un événement limité. C'est un événement familial. Il vient chercher ses enfants. Et ça va affecter évidemment seulement les croyants, l'enlèvement. Alors, c'est pour ça que ça, c'est limité, mais quand il va revenir, ça va être mondial avec son Église. Mais ça n'empêche pas que l'enlèvement, ça revêt une nature spectaculaire aussi. Puis là, on va aller voir un texte qu'on connaît bien dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même, écoutez-le, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ça, c'est l'enlèvement, ça. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors ici, Paul témoigne que l'enlèvement de l'Église va être initié par la descente de Christ lui-même. C'est ce qu'on lit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est assez spectaculaire, ça. Le Seigneur lui-même va descendre du ciel. Il ne décrit pas l'apparence de Christ, mais qui peut nier que la vue de Christ descendant dans les nuées du ciel, ça va être spectaculaire. Imaginez, là, c'est ça notre prochain... C'est quoi qu'on attend, c'est ça? La prochaine chose qu'on attend, c'est de voir Christ descendre du ciel. Puis nous, on peut l'espérer de notre vivant, on est encore vivant. Alors, c'est fantastique, ça. On a encore l'espérance de pouvoir vivre ça, nous autres. Il va descendre lui-même du ciel. Puis c'est intéressant, quand Christ va apparaître, il y a trois sons remuants et sensationnels qui vont retentir à travers le ciel comme un roulement de tonnerre. Et ça nous est décrit au verset 16. Il va y avoir trois choses, trois sons. Un grand cri de commandement. Il va y avoir une voix d'archange, puis voir le son d'une trompette. On va aller voir le premier point. Le son du commandement du Seigneur. Le son du commandement du Seigneur. Y en a-t-il qui ont connu Arnold Furtenbaum? Ça vous dit quelque chose, hein? Non, mais il y en a qui le connaissent parce que c'est un juif messianique que j'ai fait des conférences en Mauricie. Il est venu comme de fer en mer. Puis on peut être des fois en désaccord avec ses affaires, mais quand même, il connaît sa Bible aussi, puis il connaît son texte original, étant un juif. Donc, selon Arnold Furtenbaum, le mot grec utilisé pour décrire le cri du Seigneur, parce qu'ici, c'est ça, là, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement,
Selon lui, le mot grec utilisé pour décrire le cri du Seigneur, c'est celui d'un commandement d'un leader militaire qui sort de sa tente de commandant en chef et donne un commandement. Donc, c'est un leader militaire qui sort de sa tente et qui lâche un cri de commandement. C'est ça le sens du texte. Et ça, c'est une belle illustration parce qu'un jour, le commandant en chef, tu sais, le commandant en chef, c'est pas Donald Trump, là, vous entendez, c'est le commandant en chef dans son pays, mais le vrai commandant en chef dans l'univers, c'est Jésus-Christ. Puis un jour, le commandant en chef, qu'est-ce qu'il va faire pour illustrer? Le commandant en chef, Jésus-Christ, va sortir de sa tente céleste et il va donner un cri. C'est ça que ça dit, hein? Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, c'est lui qui va le donner. Hey, ça va être spécial, ça? Un commandement, pourquoi? Pour que la résurrection arrive. Pour que la résurrection survienne. Ça va être ça, son cri de commandement. Quand le Seigneur revient à l'enlèvement, là, le cri que les croyants vont entendre sera le sien. Oui. C'est un beau contraste du cri que tu nous as parlé tantôt. Le cri au fond du Seigneur de la croix. Waouh, c'est vrai, waouh. Waouh, ouais, c'est bon ça. Wow. J'ai des petits frissons actuellement. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Ouais, vraiment bon ça. Waouh. Tout un. Oui, c'est ça. Quand tu m'aimes, wow, c'est vraiment bon. Quel contraste, hein? Le cri. Tout est accompli, mais là, c'est la résurrection. Très, très bon. Puis s'il n'y avait pas eu le premier, il n'y aura pas le deuxième. C'est super bon. Puis le Seigneur va revenir, puis il va crier un cri de commandement que nous allons entendre. Puis rappelez-vous, là, on n'ira pas voir le texte, mais quand il s'est tenu au tombeau de Lazare. Là. Il a crié aussi. D'une voix forte. Lazare, sort! Il n'a pas le choix de sortir. Là. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais imaginez, quand Jésus va revenir avec son cri de commandement, hey, sortez! T'sais, c'est ça qu'on va voir tantôt, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. T'sais. Il n'a pas le choix de sortir. Le Seigneur a crié. Il va commander, de la même façon qu'il a commandé à l'extérieur du tombeau de Lazare, Lazare sort. De la même façon qu'il a commandé à Lazare de sortir de la mort, il va commander à tous les croyants dont les corps sont dans la tombe de sortir. Puis au son de ce cri, Paul nous dit au verset 16 que c'est ça qu'il dit, et les morts en Christ vont ressusciter premièrement, c'est sûr, ils n'ont pas le choix. C'est un cri puissant. Hey, ça va être extraordinaire, ça. Ils vont être ressuscités. Donc, premier élément de ça, qu'est-ce qui va se passer à l'enlèvement? C'est vraiment c'est intéressant quand on fouille le verset. Chaque élément nous décrit qu'est-ce qui va se passer en phase. Là. Le son du commandement du Seigneur. L'autre chose intéressante, le son de la voix de l'archange Michael. Le son de la voix de l'archange, c'est ça qu'on entend, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, ou la voix de l'archange, dans d'autres versions, parce qu'avec le commandement du Seigneur qui va lui-même crier, va s'accompagner le cri de l'archange, va s'accompagner une voix d'archange, nous dit le texte. Puis nous savons à partir des Écritures exactement qui est cet archange. Il est Michael ou Michel. Il est dans la Bible. Je ne vois pas, il est dans la Bible, mon beau-frère. Michel. Le seul archange nommé dans la Bible, d'ailleurs, c'est le chef de tous les anges, c'est le boss des anges. Hein, on peut aller voir Daniel 12:1, on n'ira pas le voir, Jude 9 qui en parle. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la Bible entière, seulement deux anges sont identifiés par leur nom. C'est qui l'autre? Vous êtes fort, c'est incroyable. Gabriel, qui a dit à Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus. On peut dire que Michael, Gabriel, c'est l'ange annonciateur de Dieu. Tandis que Michael ou Michel, c'est l'ange guerrier de Dieu. Hein? Deux rôles différents. Gabriel, c'est l'ange annonciateur de Dieu. Michael ou Michel, c'est l'ange guerrier de Dieu. C'est un rôle qui rend le son de sa voix à l'enlèvement significatif. Voyez-vous pourquoi c'est lui qui est dans le décor? C'est le boss des anges. L'archange
qui fait entendre sa voix au même moment que Christ lance son cri de commandement. Wow! Il va se poser de quoi de spectaculaire, là? Toujours selon M. Furtenbaum, les anges sont souvent utilisés pour mettre le plan de Dieu en mouvement. C'est vrai, hein? Les anges sont souvent utilisés pour mettre le plan de Dieu en mouvement. L'archange Michael ou Michel sera utilisé dans le cas d'enlèvement. Le contenu de ce que sa voix dit n'est pas déclaré. On ne sait pas ce qu'il va dire. Mais si la procédure militaire connue peut être appliquée à cette situation, alors c'est simplement la répétition par le sous-commandant de l'ordre du cri du commandant en chef. Alors, le commandant en chef, qui est Jésus-Christ, lance son cri, et lui, le sous-commandant, qui est le chef des anges, répète le commandement. Jésus donne le cri ou le commandement pour que le programme de l'enlèvement commence, et c'est la tâche de Michael, de Michel, de le mettre en mouvement. Et alors, il répète le commandement par sa voix. Wow, ça va être spectaculaire. Attachez votre truc, comme on dit. Le cri de Michael ou de Michel à l'enlèvement peut être son commandement à ses légions de guerriers angéliques. Hein, c'est peut-être seul son cri à lui, Michael. Il va peut-être lâcher. Il va sonner l'alarme, il va coller la chotte en bon québécois. Il y en a-tu des myriades et des myriades? Il va dire de quoi, là? Ça sent. Tu sais, il va se passer de quoi, là? Il va les appeler à défendre les croyants des forces de Satan. Tu sais, Michael est équipé là, de légions de guerriers angéliques. Il va les appeler à défendre les croyants des forces de Satan et à les escorter en toute sécurité au ciel. Le moment que Christ va les appeler du tombeau. Hey, c'est-tu fantastique? Jésus lâche la chotte, colle la chotte. L'archange, qui est sous-commandant, on peut dire, répète le commandement, puis sûrement du même coup, colle la chotte à ces myriades de guerriers angéliques qui vont s'assurer que les croyants qui vont ressusciter vont être escortés, c'est une image, au ciel. Troisième chose qu'on voit dans le texte, le son de la trompette. Le troisième son entendu, hein, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, troisième élément du verset 16. Le troisième son entendu à l'enlèvement sera la trompette de Dieu. Et Paul fait référence à cette sonnerie. On ira pas voir le texte. Dans 1 Corinthiens 15, 52, Paul va parler de cette sonnerie comme étant la dernière trompette. Un certain Dr. John Walwood qui a expliqué le but de cette trompette en utilisant une analogie de la discipline de l'ancienne armée romaine. La trompette de l'enlèvement va appeler tous les chrétiens à monter de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et de là, ils vont aller au ciel comme Christ l'a promis dans Jean 14, 3. Et quand on parlait de l'amour de Christ ce matin au pas du Seigneur, comment Dieu nous aime, c'est extraordinaire parce que Dieu envoie son Fils mourir à notre place. Il n'y a plus aucune condamnation que ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il est ressuscité d'entre les morts. Puis qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14, 3? Je m'en vais vous préparer une place. Puis je vais revenir. C'est ça le retour. Je vais venir vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu sais, on faisait l'analogie tantôt de notre déménagement. Tu sais, on sait qu'on a une place qui s'en vient dans un mois. On a hâte d'y aller. Puis c'est rien, là, vous avez entendu. Là. Mais il y a une place qui est en train de nous être préparée. Et la dernière trompette pour l'Église peut être analogue à la dernière trompette utilisée dans l'armée romaine, dira ce commentateur. Les soldats étaient réveillés par la sonnerie d'une première trompette tôt le matin, laquelle servait comme leur réveil matin. Une deuxième trompette les rassemblait pour les instructions du jour. Puis à la troisième et dernière trompette, c'est là qu'ils partaient pour leur mission. De même, recevoir le salut, c'est comme entendre l'appel d'une première trompette. On reçoit le salut, sa première trompette. Ensuite, l'appel de Dieu au service, c'est comme entendre une seconde trompette. On est sauvé, première trompette. On entend l'appel de Dieu, hein, il nous sauve. Son appel est irrévocable envers les élus. C'est fantastique, ça. Après ça, il nous appelle à son service. Deuxième trompette. Et la troisième et dernière trompette, il nous appelle à lui. Les croyants vont au ciel.
Donc, si on résume tout ce qu'on vient de voir ce matin, le premier son de l'enlèvement, c'est le cri de Christ, c'est un appel pour les croyants à sortir du tombeau. La voix de l'archange, c'est un son de protection et de passage sécuritaire. Puis la sonnerie de la trompette, c'est un appel annonçant la réception des croyants dans le ciel. Toute l'évidence montre clairement que l'enlèvement des saints sera un spectacle cosmique, tel que les humains n'en ont jamais vu ni entendu. C'est, là, ça part, puis on l'a fait allusion dans l'introduction au mois de juin. Imaginez, simultanément, des centaines de milliers, sinon de millions de croyants qui lèvent. Comment ça va créer un chaos incroyable sur la Terre? Toutes sortes de situations. Tu sais, je veux dire de quoi? Dans les familles, ça va créer des choses, dans les sociétés, dans les entreprises, partout. Ça, dans le fond, l'enlèvement ne passera pas inaperçu, même si c'est nous les croyants qui allons voir Christ. Puis là, on peut s'imaginer qu'avec l'endurcissement, qu'avec les ténèbres, avec le pouvoir de séduction, l'Antichrist, on sait qu'ils vont trouver toutes sortes d'explications pour expliquer qu'on n'est plus là. Tu sais, je veux dire, pas inquiétant, ils en inventent déjà des niaiseries pour expliquer toutes sortes de choses. Mais ça va être tout un événement. Donc, l'événement, c'est un événement qui sera spectaculaire, même si la deuxième partie de sa seconde venue, le retour de Christ avec son Église 7 années plus tard, ça va être spectaculaire au plan mondial. Mais l'enlèvement, c'est quelque chose quand même qui reste spectaculaire. Et ça, c'est la prochaine chose qu'on attend. Et ça, quand on pense à ça, on, nos problèmes paraissent moins gros. C'est vrai, pareil. Ça achève. Il peut revenir n'importe quand, puis c'est fantastique, ça. L'enlèvement, ça va être un événement séquentiel. Ça va se passer en séquence. Puis là, on va décortiquer la séquence. Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul identifie 5 aspects majeurs de l'enlèvement dans leur ordre séquentiel. Puis là, on va vraiment décortiquer les séquences de l'enlèvement. D'abord, le retour proprement dit de Christ. Toujours selon M. Fudenbaum, à un certain point dans le futur, Jésus va sortir du ciel, des cieux et descendre dans les cieux atmosphériques. C'est ça qu'il va faire, là. Jésus va quitter son ciel pour descendre dans le ciel. Ça, c'est vraiment spécial. Paul a spécifié ça comme l'événement initiateur de l'enlèvement. On l'a lu tantôt, car le Seigneur lui-même, avec toutes les trois sons qu'on a dit, descendra du ciel. Il va partir de son ciel, il va venir dans notre ciel. Tu sais, je veux dire, waouh! Dans l'enlèvement, là, c'est, tu sais, puis c'est ça, c'est le Seigneur lui-même qui vient. On ne voit pas quelqu'un, là. C'est le Seigneur lui-même qui vient. J'ai-tu hâte de le voir? Puis c'est en accord avec les paroles des deux anges qui ont parlé aux disciples au moment de l'ascension. On va tourner dans Actes 1, 11. Ça, c'est vraiment un beau texte, Actes 1, 11. Même, on va aller dans Actes 1, 9, verset 9, le contexte. Alors, Jésus parle pour une dernière fois à ses disciples. Et Actes 1, 9, on dit ceci. « Ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, et comme ils regardaient, une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. » Et verset 10, « Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, » on peut s'imaginer pourquoi, tu veux dire, le Seigneur est avec eux autres, puis il lève, puis c'est comme les fusées, à un moment donné, on les voit, mais on ne les voit plus. Alors là, les autres, ils ont les yeux, ils sont jamais en bon québécois, là, ils sont là. Ben, on les comprend, là, tu sais. Jésus vient de partir. Et voici deux hommes en vêtements blancs sur terre-là à côté d'eux qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra comment? De la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors on se demande comment il va revenir, mais il va revenir comme il est parti. Il est parti sur des nuées, il va revenir sur des nuées. Il était visible quand il est parti, il va être visible en revenant.
Et donc, c'est ça le retour, c'est la première phase de son retour, c'est lui-même qui descend de son ciel pour venir dans notre ciel. Alors, si Jésus doit descendre de la même manière qu'il a monté, alors on peut certainement nous attendre à ce que sa venue soit deux choses, personnelle et physique. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir. Ce n'est pas un des anges de Dieu qui va venir. Même pas l'archange Michel qui va venir. C'est Jésus lui-même. Et c'est pour ça que les mots sont importants quand on retourne dans notre texte d'un Thessaloniciens 4:16. Jésus lui-même, le Seigneur lui-même. Et quand le Seigneur revient, il va amener avec lui toutes les âmes de ceux qui sont morts comme croyants. Regardez à la fin du regardez le verset 14, juste 1 Thessaloniciens 4, mais 14. « Car si nous croyons que Jésus mourut, qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. » J'aime ça, la mort est vraiment comparée à un sommeil. Alors, je répète la fin du verset 14. « Il de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. » Alors, Dieu va amener avec lui ceux qui sont morts en Christ. C'est le but de son retour. Donc, première phase, première séquence de son retour, de l'enlèvement, dans le fond, c'est le retour de Christ de son ciel à notre ciel. Deuxième élément, la résurrection proprement parlée. Quand Jésus descend du ciel avec un cri, il va commencer par rappeler à lui-même ceux qui se sont endormis, verset 15, « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, on ne devancera aucunement ceux qui se sont endormis. » Alors, le verset 15 nous précise que nous autres, on ne devancera pas ceux qui sont morts. C'est eux qui, premièrement, vont ressusciter. Après ça, on va lever nous autres aussi. Alors, première étape, première séquence de l'enlèvement, retour de Christ, physiquement parlant, de la même manière qu'il est parti, il revient comme ça. Quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Résurrection de ceux qui sont morts. La terminologie de Paul, c'est hein, ceux qui se sont endormis. C'est vraiment un langage du Nouveau Testament pour identifier les chrétiens qui sont morts. Les auteurs du Nouveau Testament n'utilisent jamais les paroles « sommeil » ou « endormir » pour décrire la mort d'un incroyant. Je répète. Les auteurs du Nouveau Testament n'utilisent jamais les paroles « sommeil » ou « endormir » pour décrire la mort d'un incroyant. Essayez de trouver ça dans la Bible, vous ne trouvez pas ça. C'est toujours appliqué à des croyants. Mais ils utilisent souvent le mot « sommeil » ou « endormir » pour décrire la mort d'un croyant, parce que c'est un fait. J'ai bien aimé, un frère qui est venu prêcher dernièrement, puis parlait d'une soeur, d'une croyante qui est décédée, puis elle ne nous a pas quittés. Non, comment qu'elle... Elle n'est pas partie, elle est arrivée. Vous trouvez ça bon, hein? Elle n'est pas partie, elle est arrivée. Wow, c'est bon, ça, hein? Les petites phrases, ça nous fait-tu réfléchir, ça, dans le fond. On est arrivé. On n'est pas parti. On va tourner dans Jean 11, 11. On va aller voir ces différents textes où on parle de sommeil, de mort. Puis là, c'est sûr, j'ai une version d'Arby qui est plus littérale, mais... C'est évidemment Lazare, Jean 11, 11. Jésus va dire ceci dans Jean 11, 11. Il dit ces choses et après cela, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour l'éveiller. » C'est intéressant, ça. Il s'est endormi, je vais le réveiller. Ça va être ça, la résurrection. C'est pas extraordinaire, ça. Acte 7, 60. C'est évidemment Étienne qui se fait lapider. Acte 7, 60. « Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix. » C'est intéressant, lui aussi. Hein? « Il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il lui dit cela, il s'endormit. Bon, quelle belle expression, il s'endormit. Évidemment, il est mort. Il est seul consenté à sa mort, il est à mort. Acte 13, 36. Acte 13, 36. Car David, après avoir, en sa propre génération, servi au conseil de Dieu, s'est endormi, dira Darby.
Il a été réuni à ses pères, etc. Il a vu la corruption, son corps a vu la corruption, mais lui, il s'est endormi. Puis un dernier texte dans 1 Corinthiens 15:20. 1 Corinthiens 15:20. Je ne sais pas si j'ai le bon passage au 15:20, OK. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par... Donc, encore là, l'expression dans 1 Corinthiens 15:20, « Maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. » Alors, voyez-vous combien c'est utilisé fréquemment pour décrire la mort, c'est qu'on est endormi. Alors, Arnold Fruchtenbaum explique ceci, « La Bible voit la mort des croyants comme une suspension temporaire de l'activité physique jusqu'à ce que le croyant se réveille à l'enlèvement. » Donc, c'est intéressant ça. La Bible voit la mort des croyants comme étant la suspension temporaire de l'activité physique. Ça fait quelques années que mon frère est mort, d'après moi, il ne fait pas grande activité physique. Là, mais la Bible voit la mort des croyants comme une suspension temporaire de l'activité physique jusqu'à ce que le croyant se réveille à l'enlèvement. Et de la même façon que le sommeil physique est temporaire, on s'entend-tu que lorsqu'on se couche le soir, là, on dort, on suspend toute activité physique. Ça ne dure pas longtemps, je me réveille vite, mais... Mais le temps que Francine, elle adore, elle est capable. La suspension est longue, comme on dit. La même façon que... Donc, je trouve ça intéressant. De la même façon que le sommeil physique est temporaire, c'est une suspension temporaire d'activité physique jusqu'à ce que la personne se réveille. Quoiqu'il n'y a pas aucune suspension d'activité mentale quand on dort, des fois, Mais si on prend le parallèle avec l'activité physique, pendant qu'on dort, il n'y a pas d'activité physique. Ainsi est la mort. C'est une suspension temporaire de l'activité physique jusqu'à ce que la personne se réveille à la résurrection. C'est ça, la mort. C'est intéressant, ça. La même façon, c'est pour ça que la Bible parle de la mort comme un sommeil. Parce que pendant qu'on dort, il n'y a plus aucune activité physique. Et lorsqu'on est mort, il n'y a plus aucune activité physique. Mais la vie reprend. Et ça va être ça, la résurrection. Il n'y a aucun arrêt de l'activité de l'âme et de l'esprit, seulement de l'activité physique. Vous savez, tu sais, comme ce matin, pour me lever pour venir à la tuque, mais j'ai mis mon réveil matin. Puis quand on règle notre réveil matin, bien, on s'attend à se réveiller le matin. Alors, si on meurt avant le retour de Christ, on sait qu'un jour, nos corps seront réveillés par le réveil matin de la venue de notre Seigneur Jésus. Ça va être lui, notre réveil matin, si on meurt. On meurt, c'est lui qui va nous réveiller. C'est notre réveil matin. Quand on parle du son de sa voix, du son de l'archange, de la trompette, ça va être tout un réveil matin, ça. Si on est mort. Ça va être tout un réveil matin pour les morts, les croyants qui sont décédés. On sait qu'un jour, nos corps seront réveillés par le réveil matin de la venue de notre Seigneur dans les nuées. À ce moment de résurrection, Dieu va miraculeusement assembler les molécules nécessaires, reconstruire nos corps physiques. Tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, tu te demandes, là, objectivement parlant, tu dis, ouais, tu sais, là, l'incinération, puis où quelqu'un est brûlé, quelqu'un se fait des... Comment, Seigneur? Puis là, tu disperses les âmes, tu fais comme... Seigneur, il va faire... comment il va faire pour te rassembler le corps? Tu sais, je veux dire, poser la question, s'il répond, là, par une parole, tu sais, je veux dire... Comment qu'il a créé l'homme? Comment qu'il a créé le monde? Tu sais, je veux dire, c'est pas un bug là, pour le Seigneur là, d'aller récupérer nos molécules. Là, tu sais. Il n'y a pas de problème avec ça. On se croise pas la tête avec ça. Là. Dieu va miraculeusement assembler les molécules nécessaires, reconstruire nos corps physiques. Et comme Paul l'a écrit, tout défaut génétique sera corrigé. Allez. Tout défaut génétique sera corrigé. Toute maladie sera guérie. Tout dommage réparé à la perfection. Regardez, on va aller voir 1 Corinthiens 15, on est dans ce texte-là. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption, mais... On ne ressuscitera pas en corruption, on va ressusciter en incorruptibilité. Verset 43, il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire, il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Ça va être merveilleux, ça?
Il est semé corps animal, je prends la version littérale, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la fameuse dernière trompette de tantôt, car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités comme incorruptibles. Et nous, on sera changés. Donc, tu sais, ça va être extraordinaire, ça. La résurrection. La Bible enseigne que ceux qui dorment en Jésus ne seront pas exclus de l'enlèvement. En fait, ils vont avoir une place importante quand Jésus va venir dans les cieux. On l'a lu tantôt dans 1 Thessaloniciens 4, 15 et 16. Hein? On ne précédera pas les morts. C'est eux qui vont nous précéder dans la résurrection. En d'autres mots, si je suis encore vivant quand Jésus revient, je ne monterai pas en l'air jusqu'à ce que mes parents, s'ils sont sauvés, montent. Pensez-y deux secondes. C'est pour moi que mes parents sont sauvés, mais sont morts. Puis moi, le Seigneur revient, moi je suis vivant. Mais c'est mes parents qui vont monter, qui vont être ressuscités avant que moi je sois. Tu sais, il y a une règle là, que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Tu sais. Ils seront pris en premier. C'est intéressant ça. L'enlèvement est initialement pour ceux qui ont été sauvés, dont les corps reposent dans les cimetières, ou les crématoires, ou les urnes, ou whatever. Tu sais. Peut-être on a le temps de voir un dernier point avant de continuer ce soir. Dernier point, la rédemption. Donc, voyez-vous, quand on parle d'enlèvement, là, première étape, retour de Christ. Deuxième étape, résurrection de ceux qui sont morts. Et troisième étape, c'est la rédemption proprement parlée. Non seulement ceux qui sont morts comme croyants seront-ils changés à la résurrection, mais Paul a parlé de ceux qui sont vivants et qui demeureront. Hein? 1 Thessaloniciens 4, 15. Ils seront aussi changés. Ça nous vient de la parole sûre de Paul. Hein? On vient de le lire tantôt. On a lu le verset 52 de 1 Corinthiens 15. Regardez le verset 51 de 1 Corinthiens 15. « Voici, je vous ai un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous. » On ne sera pas tous morts quand Jésus va revenir. Il va y avoir des vivants. Puis nous, un matin, on souhaite être là. Mais on sera tous changés. Ça, c'est vrai. On ne sera pas tous morts quand il va revenir. Mais on va tout être changés. C'est fantastique. C'est ça, la rédemption. Puis dans sa lettre aux Romains, Paul a écrit de ce changement. On n'ira pas voir le verset, Romains 8, 23. Il va parler de la rédemption de notre corps. C'est ça, la rédemption. Dans sa lettre aux Philippiens, il décrit ça comme le moment quand le Seigneur Jésus va venir. On pourrait peut-être aller voir Philippiens, on n'est pas loin, dans Philippiens 3, 21. Philippiens 3, 21, verset 20, pour le contexte. Philippiens 3, 20. Car notre bourgeoisie, hein, c'est un terme assez vieux et darbiste, car notre bourgeoisie, ou notre droit de cité, notre patrie, est dans les cieux. D'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer le corps de notre abaissement, verset 21, à la conformité du corps de sa gloire. Ouais, wow, à quoi ça va ressembler notre corps? Au sien. Il veut dire de quoi, là? Selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Il a le pouvoir de faire ça. Là. Alors, puis, regardez 1 Jean 3, 2. Dernier verset avant d'aller dîner. 1 Jean 3, 2. Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ça, c'est une belle vérité. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis déjà enfant de Dieu. J'étais un enfant du diable avant. À cause de quoi je suis devenu enfant de Dieu? Par la foi en Jésus-Christ, mort à ma place. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand ils seront manifestés, ça va être quoi son retour? Nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. À quoi va ressembler nos corps? À quoi va ressembler nos corps? C'est ce qu'on va voir ce soir. Puis, autre question quiz. Il y a 6 enlèvements qui sont rapportés dans la parole de Dieu.
Il y a 6 enlèvements qui sont rapportés dans la parole de Dieu. Vous me direz lesquels ce soir.